Bonjour, je prends un moment pour vous partager ma réflexion avec le texte de Marc, chapitre 10, versets 17 à 30. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour votre compréhension. Dans l'histoire du jeune homme riche du texte de Marc, ça se termine mal. Un texte qui me touche beaucoup, car sous cette histoire, il y a un message religieux très discret. L'histoire raconte, l'homme devient sombre et tout triste. Il a peur du couteau prêt à trancher dans ses sécurités humaines. Pour bien comprendre ce texte, il faut nous reporter à la tradition méditerranéenne. Pour nous, la richesse signifie avoir plein d'argent. Pour les pays entourant la Méditerranée, la richesse comprend d'abord et avant tout la famille, la maison, la terre. La fin du texte indique ce genre de richesse qui dépasse l'argent cumulé dans le compte bancaire. Personne n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, mères, enfants et terre, sans qu'ils reçoivent le centuple. Le jeune homme riche est invité à partager l'argent qu'il retient comme un boulet au pied, mais aussi à s'éloigner des valeurs de sa famille, valeur qui l'empêche de suivre le Christ. Les détachements peuvent être différents pour chaque personne, mais tous, ils nous invitent à suivre le Christ. On voit dans différentes histoires de la Bible comme Pierre, ses filets, Matthieu, son bureau de douane, Élisée, sa ferme, Nathanaël, sa retraite. Pour chacun, les coûts sont élevés, mais il apporte une libération nécessaire. L'histoire du jeune homme riche nous rappelle qu'on ne peut se mettre à la suite de Jésus en demeurant encombré de lourds bagages. On a tous entendu cette phrase. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Je constate qu'en suivant Jésus, Jésus ne met pas l'accent sur ce qu'on doit abandonner, mais sur le bonheur que l'on découvre à le faire. Un homme ayant trouvé un trésor s'en va ravi de joie. Jésus appelle d'abord et avant tout au dépassement. Pour l'homme riche, se dépasser eût été de se détacher de ses trop grands biens. Pour d'autres, ce sera d'oublier ses titres et ses réussites en affaires ou en politique, de changer sa façon de traiter les autres, de corriger son manque de générosité, son angoisse, sa paresse. L'important est de se libérer, chacun à sa façon. Ce qui me frappe beaucoup dans ce texte, c'est la phrase « Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples. » Le regard de Jésus, ce regard
qui dit son étonnement, sa désolation. L'œil de Jésus, conscient des exigences du royaume, cherchant quelqu'un qui puisse dire oui, un visage de lumière qui fait deviner le monde de nouveau, vers où le Christ nous appelle à marcher, un geste qui montre le chemin. Si Jésus nous regarde, c'est qu'il nous aime, c'est qu'il a pour nous un plan, un rêve de bonheur. Il a pour nous ce regard qui voit loin, mais qui demeure attentif à chacun, à chacune. S'il est venu se faire aussi proche de nous, ce serait-ce pas pour mieux nous voir? Ou, du moins, pour que nous puissions lire dans ses yeux? Ça m'a toujours rejoint, cette idée du regard de Jésus. Je me demande, oserions-nous regarder celui qui nous regarde, qui nous invite au dialogue? Eh oui, Jésus sait tout. Il comprend tout de nos hésitations et de nos peurs. Il a ce regard réaliste de celui qui sait bien nous attache, mais qui encore veut nous séduire, nous expliquer, nous appeler à sortir de nous-mêmes. À ce regard qui appelle au dépassement, au don de soi. Ce regard qui nous apprend à regarder. Qui sait? Peut-être prendrons-nous, nous aussi, le temps de regarder pour voir, pour écouter, pour aimer et nous laisser aimer sous le regard bienveillant du Père et du Fils et dans l'Esprit. Ce que j'aime beaucoup de Dieu, c'est qu'il nous a créés libres. Libres de croire, libres de regarder. Mais je sais que croire en Dieu, ce Dieu qui peut tout, voilà la route de la paix. Voilà ma réflexion. Et une bonne réflexion à toi. Et aussi une très belle journée à toi.